Je disais, c'est quelque chose d'hyper important, que ce soit l'hiver ou l'été, parce que l'hiver, le froid casse les cheveux, l'été, le soleil sèche les cheveux, qu'on ait les cheveux, disons comme ça, qu'on soit une personne qui s'attache beaucoup les cheveux comme moi, ça abîme les cheveux, qu'on soit une personne voilée, bah, le fait d'avoir des vêtements, bah, ça enferme les cheveux, enfin c'est comme le même principe qu'un tissage, le même principe que d'avoir comme moi toujours les cheveux attachés en chignon, c'est vrai que ça abîme les cheveux, donc il faut vraiment en prendre soin. Et machallah, pour moi, les cheveux, c'est vraiment beau sur une femme. C'est le meilleur. Sachez que j'ai déjà porté des extensions à l'époque, tellement que mes cheveux étaient fracassés. Et vraiment, 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 j'ai pris beaucoup de temps pour m'appliquer pour que mes cheveux soient beaux. Donc prenez le temps pour vous. Et comme je vous avais dit, comment j'ai découvert Myriam K, à la base, c'est parce que j'ai découvert ces gélules en cherchant dans tous les forums français quels sont les meilleurs gélules compléments alimentaires pour les cheveux en France. Et j'étais tombée sur les gélules de Myriam K. Du coup, grâce à ces petites gélules, j'ai connu vraiment toute la marque de Myriam K. Je suis allée au salon, j'ai découvert tous les. Donc, disons que voilà, c'est grâce à ces petites gélules que j'ai découvert de super produits. Donc, je suis hyper contente. Donc, les amis, n'oubliez pas le code promo Jazzy juste là sur le site de Myriam K. Et voilà quoi. Et d'ailleurs, s'il y a des filles qui ont envie de m'envoyer un petit peu leurs photos avec leurs produits, si elles ont envie de se faire des photos de avant-après, etc., je suis preneuse. Et si vous êtes OK que je partage, je vous précise, tu peux partager. Je vous fais des gros bisous. Mouah! Pour moi, la meilleure qualité de ma petite sœur, selon moi, c'est vraiment la sincérité. Elle est sincère dans tout ce qu'elle fait, elle est sincère dans tout ce qu'elle dit, et elle ne fait rien à contre-cœur, et elle ne fait rien pour faire plaisir, elle fait vraiment ce que. Kylie Jenner, Sonia et Faïza, la Ace Amélie et Chiara Ferragni. Sincèrement, je pense que ce genre de question n'a pas vraiment de réponse, je sais pas. C'est plus. Je pense que c'est Dieu qui décide, hein. Voilà. Quand ce sera le moment, ça sera le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. J'adore collaborer avec les marques de produits que j'utilise au quotidien, voilà, que depuis des années. Et là, je suis occupée à découvrir plein de nouvelles petites marques avec des produits au top que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Vraiment des gens qui méritent d'être connus parce que leurs produits sont canons. Ça, c'est une question hyper personnelle, mais pour ma part, si c'était moi, je forcerais la rencontre parce que 6 ans, je trouve que c'est vraiment du sérieux. Donc, ça mérite de connaître la famille de ton conjoint. Donc vraiment force la rencontre parce que c'est un peu bizarre quoi. Effectivement, on est sur la bonne voie. On va dire que malheureusement, je sais même pas comment dire ça parce que je ne penserais jamais dire un truc comme ça de ma bouche. Mais des fois, quand tu passes par les pires moments, bah ça peut aider. Vraiment pas du tout. Je ne suis pas une passionnée de maquillage ni de vêtements. Je trouve que faire une marque de maquillage, ça sert à rien quand on veut du maquillage. Je suis pas une meuf à fond dans la mode pour faire une marque de vêtements. Donc non. La vérité. Nous, on a l'impression qu'on va faire toute notre vie ensemble, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, du coup, on se dit, on aura tellement d'années où on ne sera plus que nous deux en famille, etc. Donc, le coquin. Quand je l'ai rencontré, il m'a fait croire qu'il avait 25 ans, en fait, il avait 21 ans, et j'ai découvert son vrai âge, j'étais déjà enceinte. Pour l'instant, oui, et c'est vrai que contrairement à beaucoup de meufs qui ne supportent pas beaucoup les parents de leur mari ou des choses comme ça, nous, la famille, c'est la famille, que ce soit la mienne ou la sienne, et s'ils veulent rester vivre chez nous, ils restent vivre chez nous avec grand plaisir. Je dirais La Villa des Cœurs Brisés saison 2, parce que c'est la seule émission de télé-réalité qui m'a servi à quelque chose et à apprendre de moi-même et à grandir, parce que sinon le reste en majorité, ça m'a pas servi à grand-chose dans ma vie. No, it's okay, but sometimes I'm thinking about it and I'm like, oh my god, she's gonna drive me bloody crazy. She's going to be so beautiful, won't be a spoiled girl, and that she'll be really nice. Because if not, I'm gonna have a big problem. Honest, I just listened to my heart and I was like with my friends and we were thinking about like what's going on around the world, all this racism and all this, and I was like, it's not possible, so why not? Let's just do a video to inspire all the young ones that you should not be racist. D'avoir autant de personnes qui me suivent et qui m'aiment beaucoup, c'est vrai. Après, pour moi, voilà, je suis pas une fille qui adore être connue ou quoi, et pour moi, le vrai succès, c'est bah, après la vie, voilà ce qu'il y aura, et c'est là qu'on saura qui on est vraiment en fait. 1 heure maximum. Des gens qui m'ont dit que j'avais une tête grave bizarre avec les filtres. Sincèrement, vous pensez que je devrais me snapper sans filtre, c'est mieux. Dernier truc, j'ai eu plein de messages genre, me disant que genre pourquoi je parle super bien anglais quand je parle avec Chelsea, je parle pas avec l'accent anglais-anglais. Bah, tout simplement parce que comme je disais, en fait, j'ai l'impression qu'ici à Dubaï, personne ne parle vraiment avec l'accent anglais. Donc du coup, j'ai l'impression que Chelsea, elle sait faire un accent ici propre à elle-même. Et du coup, j'ai peur de, avec moi, mon accent anglais, de la perturber. Donc du coup, bah, je m'adapte un peu à elle, mais je pense que vous avez raison, que c'est pas forcément la meilleure idée. Ma fille, qu'est-ce que tu fais?
Elle choisit ses affaires de sport, mais regardez-moi cette vue comme elle est incroyable. Maman, look. So what's this? Like you, look. Put your hand like this. Put your hand like this, my love. Mon Dieu, quelle horreur. No. Wow. No, ugly. Ugly, mommy. No, it's nice, it's nice. It's nice, mommy, not ugly. Ça y est les amis, je viens de rentrer du mall, on a fait un peu de shopping, je vais vous montrer ce que je me suis pris. Juste des petits trucs chez Nike, hyper sympa, donc j'étais trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je pense comme toutes les femmes, là aujourd'hui, vous avez vos maris, vos frères, vos pères qui vous mettent une tête comme ça, concernant le match de ce soir, le retour de City contre PSG. Voilà, donc Manchester, cette fois-ci, ils ont changé de côté, c'est Manchester contre PSG. Et il y a un très gros match ce soir. D'ailleurs, je me disais, donc toutes les personnes qui veulent parier ce soir et se faire un petit billet, je vous conseille d'absolument aller suivre Nil Tout Prono. Je vous ai déjà parlé d'eux la semaine dernière, quand c'était du coup Paris-Manchester. Et comme je vous avais dit, c'est des personnes de 100% confiance. Vous pouvez avoir confiance en eux, ça fait plus de 7 ans qu'ils travaillent dans les pronostics. Et au-delà de ça, je les connais personnellement, donc je peux vous garantir que ce sont des vrais bons, ils sont carrés de chez Carré. Thomas, qui est Nile Tout Prono, il est carré de chez Carré. Vous allez voir en story snap, c'est pour ça que je vous mets son snap depuis tout à l'heure, il met tous ses bilans. Donc ça veut dire qu'il est en toute transparence avec vous, il vous montre tout. Sachez que la majorité du temps, il fait passer tous les pronos qu'il conseille. D'ailleurs, ils ont une application sur Apple Store et Android qui est super bien. Sinon, vous avez le site, bien évidemment, et vous allez sur snap pour le suivre au quotidien. Sachez qu'il a fait tout, voilà, tout pour vous offrir une très, très belle offre. Donc, écoutez bien. Donc, écoutez bien parce que vous allez être hyper content. Il vous offre 3 mois d'abonnement. Donc, 3 mois d'abonnement, c'est énorme. C'est-à-dire que, voilà, chaque fois qu'il y a un match, il met ses paris. Vraiment que Thomas, c'est un homme de parole. Nil Tout Prono, c'est vraiment un mec qui est carré dans son business et qui est passionné. Et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Quand on vous dit sans engagement, c'est sans engagement. Vous n'avez rien à perdre, c'est que du bénéf. Voilà, prenez votre abonnement gratuit, vous voulez vous en servir, vous en servez pas. Mais franchement, ce soir, il y a un très très gros match. Donc voilà, tant qu'à faire, vous pouvez parier ce soir. Et forcément, si vous écoutez son conseil de ce soir, il y a énormément de chance que ce soir, vous allez me remercier. Je m'ai envoyé un petit message à vous partager, écoutez, c'est pour vous. Salut à tous, Thomas Nile Tout Prono. Et c'est pas pour rien si vous me revoyez dans la story de Jazz. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, Manchester City, Paris, Saint-Germain, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une journée où il faut faire de l'argent, c'est aujourd'hui. Si vous voulez prendre un bon billet, petit billet, gros billet, c'est en swipe up que ça va se passer. C'est 3 mois gratuits qui vous attendent. Tous ceux qui vont m'envoyer un message, vous aurez accès à 100%. Donc, tout se passe en swipe up, premier arrivé, premier servi. Vous avez juste à m'envoyer un message, ça vous coûte rien. Là, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça va être un match incroyable. Voilà, autant en tant qu'à faire, les filles, surtout les filles, hein, je m'adresse aux filles, parce que moi j'ai une très grosse communauté de femmes. Les filles, il y en a marre d'entendre nos mecs, nos frères, nos pères, nos oncles, nos cousins, nos potes, nos meilleurs amis parler du match de ce soir, tant qu'à faire qu'il soit bénéfique. Autant qu'on soit condamné à le regarder, parce qu'on sait comment ça se passe, les soirs de match comme ça, on est condamné. La télé est prise par le match, tant qu'à faire qu'on le regarde pour gagner un petit billet dans la poche. Ça se passe là maintenant, sur le télégramme de Nil Tout Prono, je vous remets le télégramme, vous pouvez lui faire confiance. Je suis allée chez Nike, je me suis acheté des petites tenues. Je vais vous montrer. Deux petites robes, donc celle-ci, elle est un peu un vermenté et noir, donc avec les cols ronds, j'adore, zippé dans le dos, simple, efficace. Une petite veste comme ça, voilà, je la trouve stylée, ça c'est sûrement un truc qui va plaire à ma mère et ma sœur, donc elle va peut-être pas faire long feu. Petit pull Nike avec la poche en bas, voilà, je trouve que c'est stylé, avec des manches un petit peu effet chauve-souris. Une robe Nike verte, voilà, vous voyez, c'est Nike, mais on dirait pas, hein. C'est trop joli. Petit ensemble basique et ce petit haut Nike aussi, super sympa. Le plan d'aujourd'hui, je suis dans mon premier dressing. Là, c'est mon dressing de vêtements de tous les jours pour mon prochain grand tournage. Et ici, c'est un peu mon dressing avec toutes les robes et les talons. Donc voilà, je fais l'étape premier dressing, puis deuxième. Super chiant en tournage, je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez déjà remarqué, c'est qu'on n'a pas le droit aux marques. On n'a pas le droit aux marques, on n'a pas le droit d'avoir de logo non plus. Donc tous les vêtements que vous venez shipper, il faut que ce soit des vêtements sans marque. Voilà, donc ça c'est un placard un peu compliqué pour être sans marque. Là, on a des robes
basique, donc c'est bon, là aussi. Mais j'avoue que c'est pas simple parce qu'il faut vraiment qu'il y ait rien, 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 rien. Alors pour Laurent, je vous explique, c'est une autre histoire. Des petites tenues que j'ai prises chez Zara, j'adore, tu sais, des jupes shorts avec la petite veste sans manches, les petites vestes comme ça, c'est mes passions. Ça, c'est des petits trucs que je me suis pris chez Zara. Vous êtes fortes, les filles, hein? Kaido, stop! Stop! Oh, les garçons, ils embêtent toujours les filles, hein? Des petites tenues que j'ai prises chez Zara, j'adore, tu sais, des jupes shorts avec la petite veste sans manches, les petites vestes comme ça. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, je vous ai parlé du fait que j'étais trop contente de pas faire beaucoup de collaborations dans leur vie et de représenter ces marques. C'est des produits que j'adore. Bah, d'ailleurs, il y en a une que je vais vous présenter maintenant. C'est une marque qui s'appelle Orslan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui existe depuis 2016, qui est spécialisée à la base dans les camis pour hommes et qui maintenant se sont étendues dans les produits pour femmes. Et en fait, leur spécialité, c'est que chaque année, ils créent deux coffrets avec une série limitée, voilà, juste deux coffrets par an, avec des produits. Et là, cette année, du coup, ils m'en ont envoyé un à découvrir. En fait, c'est des produits de luxe, mais le prix, il est adaptable à tout le monde, avec du tissu de luxe, avec de la qualité de luxe. Voilà, c'est vrai que pendant ce mois saint, bah, on peut bien évidemment avoir envie de s'offrir des belles choses ou de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime ou de notre famille. Et du coup, ils ont créé un coffret qui est hyper beau. Donc, je vous disais, je vais vous présenter le coffret que j'ai reçu, qui est le coffret Abayad, qui est super beau. Sachez que c'est fabriqué en France et c'est expédié sous 72 heures. Donc, vous le recevez très rapidement à la maison. Donc, je vous montre moi mon coffret. Et il y en a le deuxième qui est directement sur le site internet. Packaging, vous recevez comme ceci. Et là, vous avez donc Orlans Paris a pour une ambition d'offrir le meilleur. Mashallah, quel beau message. Et ici, donc vous avez des très beaux foulards avec une matière. En fait, je voudrais bien vous montrer la matière. En fait, c'est surtout ça qui est le plus important parce que la matière est incroyable. Donc, vous avez trois coloris, quatre coloris, pardon. Une, deux, trois, quatre. Avec un joli petit bracelet. Trop beau. Et en fait, je veux bien vous montrer la matière à la lumière, en fait, pour que vous puissiez voir que c'est une très, très. Il y a plusieurs façons de le mettre selon son envie, sa coutume, ses traditions, etc. Par exemple, les filles émiraties ici à Dubaï, elles le mettent comme ça. Donc, on voit un petit peu leurs cheveux. Elles le mettent comme ça. Puis, bien évidemment, on a les femmes qui portent le foulard, donc qui se recouvrent totalement les cheveux, etc. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler donc, de ce coffret qui est super beau.
Donc voilà, vous pouvez offrir ce coffret à quelqu'un aujourd'hui pendant ce mois saint avec des coloris. Et surtout, les tissus sont très très doux. Ils sont très agréables et ils sont super longs. Donc forcément, vous pouvez bien les accrocher comme vous le souhaitez. Voilà, les tissus, ils sont top, ils sont longs, ils sont doux. La qualité, elle est belle. Franchement, tout est très beau, très beau, très beau. Et vous recevez tout ça dans le coffret. Vous avez aussi le petit bracelet que je vous ai montré. Voilà, il est trop joli. Je vais le rajouter à tous mes petits bracelets que je porte ici. Et pour moi, c'est un très beau cadeau à faire. Ici, vous avez les deux coffrets. Le coffret Abiad, celui que j'ai pris moi. Et le coffret Nabal, juste ici. Ils sont splendides. Donc ensuite, je disais, en fonction de vos traditions, de tout en fait, vous le portez un petit peu comme vous le voulez. Il y a plusieurs façons de les porter. Par exemple, je sais que les filles ici, les Émiratis, elles le portent comme ça. Donc on voit un peu leurs cheveux. Voilà, c'est souvent comme ça. On voit le début des cheveux. Après, on a les femmes qui sont voilées, donc on ne voit pas du tout les cheveux. Pour la prière, on cache tout. Chacun, il le porte comme c'est propre à lui-même. Ça, c'est une question personnelle, on va dire. En tout cas, je trouve que ce coffret, c'est vraiment un cadeau pour l'Aïd. Super beau. Voilà, c'est un très beau cadeau de l'Aïd. Et vous allez voir, vraiment, la matière, elle est vraiment incroyable. Donc, vraiment, profitez-en. Et je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ce genre de marque. Et dernière chose, sachez que pour le paiement, donc sur leur site, vous avez le lien pour PayPal directement. Donc, si vous avez PayPal, vous payez directement via votre PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez payer directement votre carte bleue sur leur lien PayPal sur leur site. Donc, je vous laisse découvrir tout le site. Il est très simple à comprendre. Vous avez donc les deux coffrets. Comme je vous disais, c'était à la base une marque de Camis uniquement pour hommes. Et là, ils ont créé vraiment des coffrets femmes qui sont sublimes. Voilà, en espérant que cette marque va vous plaire parce que c'est canon. Je vais aussi vous donner leurs réseaux sociaux Snapchat et Instagram si vous avez des questions à leur poser, si vous avez n'importe quoi à demander. Donc leur Snapchat c'est Orslan Hijab et leur Snapchat c'est Orslan Hijab et leur Instagram c'est Orslan Paris. Je vous les note juste ici. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura plu. C'est bientôt l'Aïd, donc si vous voulez faire plaisir, c'est le mois 21 comme l'année en fait. Donc je vous mets bien là, comme ça vous pouvez le screen. Vous avez moins 30% sur vos coffrets. Donc profitez-en, ce sera un beau cadeau et puis voilà, j'espère que vous serez autant emballés que moi. Mehdi, on s'est fait abandonner par tout le monde ou quoi? Voilà, Mehdi il a dit c'est bon là on a dépassé l'heure d'une demi-heure, commence à nous fatiguer là. Il n'y a personne, il n'y a que Mehdi et moi. On a faim.